Nous sommes nés, tirés de la côte d'un homme. Au prélude de notre existence, nous devions obéir aux préceptes de la tradition. Aujourd'hui, notre civilisation a grandi et la société moderne tient à donner une chance à toutes les femmes. Il arrive parfois même de dire que la réussite d'un homme est conditionnée par rapport à la femme qu'il côtoie. Vous, qui êtes aujourd'hui tyrannisée, battue, réduite à néant, votre place est dans cette société. Prenez en main vos destins. Il y a toujours une raison de vivre, mais la décision vous appartient. Bonsoir madame, en quoi puis-je vous aider ? Oui, bonsoir madame, je suis tombée en panne. Vous êtes où exactement ? Je sais pas où je suis. Pour l'instant, je vais essayer de vous localiser. Madame, vous êtes à moins de 50 km et votre forêt ne nous permet pas d'intervenir. Nous sommes désolés, mais vous ne pouvez pas bénéficier de l'assistance prévue au contrat. Vous pouvez m'aider ? Bonsoir. Bonsoir. Je suis tombée en panne, monsieur. Oui. Ça vous dérange de sortir, jeter un coup d'œil, m'aider, parce que là, je sais pas quoi faire. Bah écoutez, je sais pas, elle s'est arrêtée. Voilà, je sais pas, je m'y connais pas en mécanique. Je sais pas quoi faire. J'ai appelé les assurances et. D'accord. Déjà, une chose, assurez-vous, vous êtes face à un expert de la mécanique. Vous y connaissez en mécanique ? Bien sûr, madame. Waouh ! Beau gosse, il s'y connaît en mécanique. J'ai de la chance. En deux, trois mouvements, ça va être réglé. Mettez-vous. Essayez de. Mettez un bon petit coup, madame. Qu'est-ce que ça peut être ? C'est un petit souci, madame, rassurez-vous. Ouais, ça me rassure pas trop. Waouh ! C'est bon, elle redémarre ? Ouais. Ah, génial ! Oh, super, merci ! Trop embêté, hein. Votre voiture, elle est intacte. Super. Moi, c'est Maï. Moi, c'est Cédric. Enchanté. Vous faites quoi dans le coin, toute seule comme ça ? Franchement, je passais, j'étais de passage. En fait, je dois aller voir une copine et je suis tombée en panne bêtement. Cela, je vous cache pas que heureusement que c'est d'autres qui étaient dans le coin. vous avez un contact ? Bah ouais, je peux vous laisser mon numéro de téléphone. Une adresse mail ou. 06 12 oui. 25 43. Oui, c'est ça ? Maï, ouais. Encore une fois, vous êtes très élégante, madame. Merci beaucoup. Non. C'est réciproque. Je vais vous laisser. Ouais. Mais à la prochaine. Merci. J'espère qu'on se reverra. Merci. Au revoir. Salut. Au revoir également. Oh Katia, tu sais quoi ? Hier, j'ai rencontré un mec. Il m'a bouleversée. Wow, explique. Je veux pas rentrer dans les détails, mais tu verras un jour. Mais t'enflamme pas trop vite, hein, quand même. Vas-y, modo. T'es sûre de toi ? Je crois. On croit le connaître, non ?
Ah, donc en gros, dès que tu le vois, ça y est, waouh. Ouais. T'as des papillons dans le ventre et tout. Et t'as pas peur de souffrir? Ouais. Ça sera mieux, je pense. Tu sais le mec dont je t'ai parlé l'autre fois? Tu te rappelles? Yes, dis-moi. Bah écoute, on va emménager ensemble. Mais t'es prête à tout lâcher pour un mec? Et tu l'as rencontré où en fait? La bonne blague. Ah oui, mais ça, je veux savoir, tu l'as rencontré où en fait? Bah un soir, je suis tombée en panne. Bon, après, avec le Covid-19, etc., etc., on s'est pas trop vus. Mais on a beaucoup échangé. Par message, on s'est appelé, on est resté des heures au téléphone ensemble, on a bien discuté et je veux partir. Ouais, il m'a proposé de vivre avec lui, donc. Donc, en gros, vous êtes même pas vus, rien du tout, et tu veux emménager avec la personne. Tu connais comment il est? Oui, c'est ça, en ouais, gros. Ouais, bah, c'est un peu un conte de fées, oui, c'est ça. Bah oui, c'est ça. Oui, c'est bah, ça. En gros, on va dire, en gros, tu naïves, en fait. Donc, maintenant, j'ai envie d'y croire. Moi, honnêtement, je te conseille de réfléchir avant de prendre une décision comme ça. Après, ça m'empêche pas de faire test. Tu vois, je veux faire le test. Mais tu peux tester sans aller habiter avec lui, en fait. Tu peux faire une semaine chez lui ou voir un week-end sur deux, en fait. Je comprends pas, en fait. Bon. Après, c'est toi, mais moi, à ta place, je vais réfléchir 2 à 3 fois. Je passe en mode FBI, du coup, il s'appelle comment? Il s'appelle Cédric. Je connais un Cédric. J'espère juste pour toi, c'est pas ce Cédric que je connais. Parce que c'était ce Cédric-là plutôt. Je sais pas comment te dire ça en fait. Il est sorti avec des personnes que je connaissais et en fait, c'était des femmes vraiment défigurées. Il est tabassé et elles avaient peur de lui quoi. Donc. Je crois pas qu'on parle du même Cédric en fait, Katia. Hein, parce que ce que tu me décris là, franchement, ça fait un peu peur et je crois pas que. Enfin, le gars que j'ai connu, il était. Super gentil. Bon, c'est vrai, on s'est pas vu beaucoup de fois, mais on a beaucoup discuté et tout. Enfin, je peux pas croire que ce que tu. C'est pas le même gars, c'est impossible. Je sais pas. En tout cas, j'ai envie d'essayer. J'ai envie d'essayer. Bienvenue chez toi. C'est joli chez toi. Hein. J'aime les belles choses. T'es sûr que ça va? Oui, ça va. À partir de maintenant, t'es chez toi. Thank you.
Tu es content de me voir? Franchement, mon cœur, tu vois, il arrête pas de boum boum, tu vois. Je vais me poser là, c'est trop courir. Déjà fatigué. Ouais, moi c'est bon là, c'est je suis un peu plus là, c'est... Le plus de base, je l'ai fait parce que tu voulais concentrer. Je cherche pas à comprendre. C'est oui, bon. Mais c'est pour passer un moment ensemble. Ah non, c'est... Le moment ensemble, on l'a déjà passé, non? Ouais, faux. T'as eu ton moment d'ensemble, non? Ça y est, c'est bon. Hein? Ça y est. Ouh! C'est pas du tout la vie que j'avais imaginée avec lui, mais bon. J'arrive. Dépêche-toi surtout. Hein. Le confinement aggrave les violences conjugales. En une semaine, les interventions de police ont augmenté de 36% sur Paris et la région parisienne. Un peu moins en zone gendarmerie. Je t'ai pas trop ennuyé sans moi. Non, je regardais la télé. Oh, je suis fatigué. T'as mal dormi? T'étais pas là. Voilà, t'étais pas là. À un moment donné, tu vois, j'ai essayé de. Tu cherchais. J'ai essayé de. Respirer un peu au final. Tu vas faire quoi aujourd'hui? Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. T'as rien de prévu? Non. Ok, chérie, tu veux un café? Tu veux un café? Ouais, pourquoi pas. Ok. Qu'il soit pas trop chaud, s'il te plaît, hein, parce que. Non. Je vais me réveiller, là. Je ne peux pas trop le faire. Ok. Oh, béni soient les dieux. Super belle aujourd'hui. Oh, merci. Toi, tu m'as laissé tout seul. Avec toujours le système des confessions. Si on imagine que cette conférence des donateurs, ça met la pression, ça met une pression supplémentaire sur les épaules des politiques. Wow. Tu veux me flinguer la gueule ou quoi? Il était trop chaud ton café. T'as pas vérifié la température? Que je t'ai trouvé. Franchement, là. Tu me vois? C'est là que je vais me critiquer. Viens ici. Ah. C'est quoi cette manière? Lis bien sur mes lèvres. Tu vois, là.
que ce soit ta dernière fois. Tu m'entends? Que ce soit ta dernière fois. Si tu veux pas que je sois méchant avec toi, arrête de faire la folle. Mais quelle folle? Tu fais quoi? Tu continues à parler encore? Mais toi, t'es trop à l'aise, toi. T'es trop à l'aise. J'étais trop... Tu vois, j'étais trop bercé. Je sais pas, en fait. Refais encore ça, tu vas voir. Vouloir m'assassiner ici, là. C'est pas encore arrivé le jour où je vais mourir, hein. Je te dis ça. C'est pas encore arrivé. T'es chez moi, ici. C'est quoi ce que tu m'as dit quand le jour où je suis venu? T'es chez moi, ici. Tu es chez moi. Tu fais ce que je veux. Quand je le veux. Parce que c'est chez moi. Tu m'entends? Ouais. Et le jour où je suis arrivée avec ma valise, tu m'as dit quoi? C'est encore ma faute. Tout ce que tu mérites, et après, ce sera moi le méchant. J'aurais dû écouter ma famille. Tout le monde m'avait déconseillé cette relation. Tu n'es rien. Si tu parles, je te crève. Moi, je pensais qu'avec de l'écoute, de l'amour, de l'empathie, elle allait changer, puis ça allait s'arranger. T'es nul. Tu ne sais même pas préparer un café. Mais pourquoi cette violence acharnée? Pourquoi moi je l'aime encore? Je dois porter plainte. Si tu me dénonces à la police, je te chercherai, je te trouverai et je te tuerai. Oh mon Dieu, aidez-moi à trouver une porte de sortie. T'es incapable. Mais pourquoi je me suis mise avec toi? Ou quoi? Toi, ça fait un bail. Comment tu vas? Ah, toujours aussi belle, rayonnante comme le soleil, ça va? Et toi? Ah, tranquille. Alors, quoi de neuf? Pas terrible, hein? Ah là là. C'est encore à cause de l'autre, là? Purée. Vas-y, bon, viens, on va s'asseoir, on va discuter. T'as un peu de temps? Ouais, si tu veux. Ouais, okay. Je vais te raconter. Vas-y. Attends, je pose ça. Donne. Ça, c'est le travail d'un homme, ça. Il fait quoi? Pas grand-chose, hein. C'est un galérien ou quoi? T'as quel enfoiré. De toute façon, moi, pour te dire, hein, je l'ai jamais vu pour toi, hein, ce type-là. Hein. C'est vrai. Et je te jure, j'ai jamais aimé sa gueule. Vas-y. Il t'a encore frappé, ce connard? Ouais. Putain. En fait, il est de plus en plus violent. Je sais pas. Pourtant, je te jure, je fais tout. Il est possessif, il est manipulateur et là je suis dans un cercle vicieux quoi, je peux plus m'en sortir. Mais s'il comprend pas, moi je vais lui faire comprendre d'une autre manière. On se connaît depuis petit. Donc moi ce qu'il fait là, moi ça me plaît pas. Et si c'est possible, moi je vais le faire partir avant toi. Tu vois, dans la Bible, il est écrit que à moi la vengeance, à moi la rétribution des méchants. Un jour viendra la justice, triomphera, j'en suis sûre. Chérie, il est écrit aussi dans la Bible, Dieu n'aime pas les peureux. Si le peuple était peureux, t'inquiète pas, le peuple d'Israël ne serait jamais là où il est aujourd'hui. Tu sais, je serai la main de Dieu sur ce type-là, tu vas voir. Bon, ma chérie, maintenant, où font les verres? Je vais chercher ça. Ok. Allez. Je t'attends, dans la joie et la bonne humeur. Vas-y. Allez. Sexy chocolat. Attends, je vais ouvrir la bouteille de biscuit d'abord. Vas-y. Okay. Allez, encore. T'inquiète. Tu sais ce qu'on va faire? On va finir ces bouteilles déjà, cet enfoiré. Comme ça, quand tu vas venir, comme ça, quand il va rien trouver. C'est pas la rigolade ici. Hein. Non, mais attends, vu la tête du gars aussi, c'est pour ça que le mec, c'est pour ça que le type, il peut pas rigoler aussi. Ah non, mais là, je suis en train de revivre. Franchement, quand je te dis que j'aime pas sa gueule, j'aime vraiment pas sa gueule. J'aime pas le voir même près de toi, ouais. Tu vois. Pas de t'enculer, là. Oh là là, excuse-moi, tu vois. Tu vois. Ça, c'est les degrés d'alcool qui commencent à monter, là. T'inquiète pas. Ton patron, là, il est toujours aussi con. Hein? Allô? Oui. Oh putain. Non, je suis avec mon ami là, Joey, tu sais? Ouais. Bah rien, on prend un verre dans le jardin, il est venu me voir. Comme ça quoi. C'est mon ami d'enfance. Mais pourquoi tu cries? Ah, c'est parce que moi. Mais bien sûr que non, c'est mon ami. C'est mon frère. Bah, tu sais quoi, je vais te le passer, comme ça tu verras toi-même. Ouais, allô? Ouais.
Non, mais pourquoi tu lui cries dessus, je t'ai dit. Pourquoi tu fais ça? Tu sais, de toute façon, il faut qu'on ait une discussion, nous deux. Tu vois, parce que ça fait plusieurs fois que j'ai voulu te voir. Elle me disait toujours non, 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 de ne pas passer. Mais faut que je te capte à tout prix, là. OK? D'accord. OK. Bon, bah, à plus tard. T'as dit quoi? Au téléphone, ça joue les shows. Mais t'inquiète pas, en face de moi, t'inquiète pas. Il va se calmer direct. Il va se calmer. Ça va ou quoi? Ouais, tranquille. Bah, ça fait un bail. Bah, de toute façon, toi, t'appelles jamais, toi. Oui. Bah, là, je suis avec un pote, là. Bah, je te rappelle. Ok, beau gosse. Ok. Tranquille ou quoi, poto? Ouais, tranquille, hein. Tranquille, tranquille. Ça va, ça fait un bail. Ouais, ça fait un bail, hein. C'est comme ça. Ah. C'est comme ça que t'abandonnes les potes. Ah, j'abandonne pas, mais tu connais. Bon, les affaires, c'est les affaires. Ah, c'est ça, mon pote. Toi, ouais. T'es toujours dans les affaires, toi. Pourquoi cette tête? Ne me dis pas que tu penses encore à ta copine. Bon, c'est très bien. Tu connais ma copine, la copine que j'ai depuis longtemps, là. Ouais. C'est une amie d'enfance et tout ça. Ouais. Putain, il y a son gars qui l'a fait passer la misère. Non, mais je te cache pas que je me sens mal en la voyant souffrir comme ça. Et la voir comme ça, voir un mec lui faire passer la misère comme ça, franchement, moi, ça me fout les boules. Je te dis pas que j'aime la vengeance, mais franchement, il y a des mecs qui méritent qu'on passe à l'acte. Je sais pas comment je vais faire, mais j'ai élaboré un truc. Et il va pas passer à travers, c'est moi qui te le dis. Là, je peux te le jurer. Car il n'y a rien de pire au monde que l'amertume et la vengeance. Donc si t'as un gars bien, reste digne et intègre à toi-même. Dans la vie, tu rencontreras beaucoup de personnes qui te voudront du mal. S'ils te blessent, ou s'ils blessent les tiens, dis-toi que c'est la bêtise qui les pousse à te faire du mal. Pas mon frère, moi je t'aime bien. Tu sais, si je t'ai appelé, c'est parce que franchement je tiens beaucoup à toi. Et parce que tu sais, c'est rien qu'avec toi que je discute de mes projets et de mes secrets. Mon pote, j'étais petit, mon père, ma mère, mon grand-père me disaient souvent, tu ne feras pas ci, tu ne ferais pas ça. J'ai même appris les 10 commandements. Je suis chrétien. Mais tu veux savoir un truc? Moi, je prends l'exemple de mon oncle. Et mon oncle disait souvent, avant de foutre une claque à ma tante, quand il faut faire quelque chose, il faut le faire soi-même. Et moi, je vais t'expliquer un truc. Hein. Ça là, ce qu'il a fait, il va le payer parce qu'il a touché à ma famille. Je te laisse avec ta conscience. Mais tu sais, il est écrit dans... Dans la Bible. Dans la Bible. Ouais. Tu connais le chapitre... Ouais, les 10 commandements. Ouais, t'inquiète. Comme je t'ai dit, mon père me l'a appris, ma mère me l'a appris, mon grand-père aussi. C'est la même chose. J'ai fait mon enfance dans l'église catholique. Je connais tout ça. Donc, dis-toi que ce que tu comptes faire, c'est quelque chose qui va te coûter cher durant toute ta vie et tu vas regretter. Quand on aime quelqu'un, quand on apprécie quelqu'un, on lui souhaite pas du mal. Et moi, je veux pas qu'on la touche. Je ne veux pas qu'on la touche. Mais t'inquiète pas, je vais t'écouter. Je vais faire comme tu m'as dit. Je vais lui parler. Ouais. Mais moi, je te dis, s'il a un verre au cul, moi, je saurais comment lui enlever. Voilà. Mais je vais t'écouter, il n'y a pas de souci. Ce que je voulais te dire, ne refais plus jamais ça. Plus jamais ça. Parce que la prochaine fois, ça va pas se passer comme ça. D'accord? T'as bien compris, plus jamais ça. La prochaine fois, ça va être les plombs qui vont parler. T'as bien compris? Ce mec, il devient fou, lui. Faut que je me méfie de lui, parce que là, ça commence pas bon. Ça commence à devenir avec des menaces d'armes. Faut que je prenne les précautions. Faut que je porte plainte, là. Ça commence pas bien. J'ai été humiliée par mon mari, battue comme une chienne. Mon nom a été sali, dans tous les sens du terme. Aujourd'hui, j'ai envie de reconstruire ma vie. J'ai envie de vivre. Mais à chaque fois que je décide de partir loin, il y a toujours une voix qui me parle et qui me dit « Laisse-lui une dernière chance. » Bon, je te considère pas comme une magicienne.
Mais je pense que tes idées et ton passé peuvent m'aider à apaiser ce sentiment d'anxiété et tout ce qui est lié à mon métier quotidien. Écoute, ma fille, je comprends ton inquiétude et l'impact de la vicissitude de la vie de ton mari sur la tienne. En te regardant, tu as beaucoup d'empathie et tu es une personne très philanthrope. Toutefois, dès qu'il s'agit de violence, il faut essayer de t'éloigner le plus loin que possible. Le cycle de la violence conjugale peut être défini par 4 étapes. Il débute par l'installation d'un climat de tension dans le couple. Peu à peu, l'autre prend le dessus de la relation et l'emprise apparaît. Laisse-moi t'expliquer. La violence conjugale fonctionne en cycle. En fait, il est plutôt rare que la première violence physique soit un acte isolé. Souvent, elle a été précédée par d'autres formes de violence psychologique, verbale et tant d'autres. Exemple, tu n'es pas capable de faire ci ou de faire ça. Ou du découragement, tu n'arriveras jamais. Tous ces agissements non physiques installent un climat d'insécurité, détruisant petit à petit ton intégrité physique. La frontière de ce qui est acceptable bouge et l'emprise apparaît. Franchement, pour être sincère, vous êtes en train de retracer mon parcours amoureux avec Cédric. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Je cherche dans mon esprit qu'est-ce que j'ai fait de mal. Je te conseille de prendre du recul, car avant tout, ta vie doit passer en priorité. Souvent dans ces conditions, partir reste le choix de la sûreté. Je sais que c'est dur, que ça peut avoir l'air définitif. Disproportionner la sécurité de ta vie doit passer en premier. Écoute, je te donne ces numéros, 3919 et le 112, au cas où ce sont des numéros, s'il arrive quelque chose, tu pourras les appeler. La décision est la tienne. Et personne ne peut t'obliger à en changer. Et si tu aimes ton partenaire, n'oublie pas pour autant de t'aimer en premier. Merci beaucoup. Tu m'as vraiment galvanisée. Tes conseils vont pouvoir m'aider à prendre mon destin en main. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Au plaisir. Merci beaucoup. Et prenez soin de vous. Merci beaucoup, c'est gentil. J'ai repéré une offre immobilière. Je ferai rendez-vous pour lundi. C'est sympa, ça sera peut-être notre future maison, tu sais. Et je voulais t'en parler, quoi, parce qu'on a rendez-vous lundi. Cédric, je te parle. Tu m'écoutes ? Cédric, je te parle. Allô, je te parle, Cédric. Tu entends ce que je te dis ? Quoi ? J'ai pris rendez-vous pour lundi. Je sais pas si t'es dispo ou... Bon, en fait, si tu veux pas, ça veut dire que tu prends pas un autre couple, t'as pas de projet d'avenir avec moi, c'est... J'ai compris. Et à chaque fois, on se dispute, à chaque fois, je reviens, parce que tu me manipules tout le temps. Mais c'est bon, là. C'est bon. Elle pense que je veux acheter une maison avec elle. Une telle folle. Franchement, c'est une folle, hein. Alors, mais qu'est-ce que tu fous avec elle, Cédric, putain. Tu commences à m'énerver, là. Chaque fois, c'est pareil. J'ai envie de partir, tout ça. Après, tu m'amadoues. Est-ce que t'es en train de me menacer ? Hein ? De faire du mal à sa femme, la tyranniser, lui faire du mal tout le temps, être méchant comme ça ? C'est pas ça, l'amour, hein ? De toute façon, avec toi, c'est toujours pareil. Attends. Je suis un mec violent. Je sais pas me contrôler, c'est ça ? J'aurais su. Je sais pas pourquoi est-ce que je t'aurais dépanné en fait. Je me rappelle encore de notre première rencontre. Franchement, ma décision elle est prise, je vais te quitter. Si
Si tu penses que tu vas quitter le seuil de cette maison avec tes deux jambes là, je ne m'appelle pas Sylvain. Longtemps. Oh, on est là. Ouais, cool. Et super. Et comment? Ouais, ça va et toi? Ça va la famille? Ouais, ça va tranquille. Dis-moi Cédric, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu es si triste? Ne me dis pas que t'as encore des soucis avec ta femme. C'est à cause de ma femme, là. C'est folle. En parlant de ça, comment elle va? Elle est là, c'est folle. Mais je compte bien la dégager. C'est une véritable plaie. Je me demande même pourquoi. Moi, bon. J'aurais préféré de vivre avec une lionne. Ou un dragon, au lieu de vivre avec elle. Tu sais, Cédric, tu ne dois pas parler comme ça à ta femme. C'est la femme, c'est l'os de nos os. Donc, je ne sais pas ce qui se passe entre vous. Mais tu sais, l'opinion des femmes dans une vie doit être entendue et respectée. Comme l'opinion de nous, nous, hommes. Tu comprends? La meuf, elle est là, elle fout rien, frère. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'une meuf comme ça? Et tu sais, Cédric, sincèrement, la femme, un homme sans femme, chez nous, on dit, c'est comme une rivière sans eau. Je suis pas d'accord avec toi. Pour moi, une femme, elle doit être soumise. Une femme, si tu veux bien gérer ton foyer, tu dois la briser, tu vois. C'est toi, tu dois avoir une emprise sur ta femme. En tout cas, frangin, tu sais, c'est toi et ta conscience. Je te laisse de réfléchir. Pense à toutes ces années passées avec elle, toutes ces années passées à ses côtés. Tu sais, quand tu veux réaliser les choses, les meilleures choses dans la vie, il ne faut pas perdre ton temps. Si j'ai un conseil c'est de quoi? Plus. Viens, on marche. Ouais, vas-y, on va marcher un peu. Si j'ai un dernier conseil à te donner, Cédric, c'est que dans la vie, tu sais, construire une famille, ça prend énormément de temps. Ça prend beaucoup de temps, construire une famille. Et ensuite, si tu tiens pas à cette famille-là, la descente va être infernale. Revois les choses, vois ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Essaye de recadrer les choses. C'est toi l'homme de la maison. Ah, bien sûr, c'est moi l'homme. Voilà. Et puis quoi encore? Ah ben oui. Parce qu'aujourd'hui, c'est facile hein, de perdre tout ce qu'on a construit pendant toute une vie. Donc moi, c'est le point le plus important dans l'histoire avec madame. C'est quoi? Je vais essayer de mettre ton conseil en application. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Oh. Ok, tiens-moi au courant. Ouais. Je suis là pour toi. C'est la famille. C'est la famille. Pas de soucis. Bon, allez, on y va. Ok. Tu sais, Cédric, attention, là, je te comprends plus. On vit dans un pays où le droit des femmes est respecté. En plus, t'as les associations. Tu peux le payer cher. Chérie, tu viens m'aider, s'il te plaît? Pourquoi faire? Bah pour m'aider. Je peux pas croire que j'ai emménagé avec une paresseuse, mais oh là. Tu comprends le sens du mot femme? Mais pourquoi tu es obligée de parler comme ça, en fait? Attends, Cédric, si on vit ensemble, il faut quand même s'entraider un peu, non? Tu crois pas? Bah du coup? Bah il faut quand même qu'on s'aide un peu. Tu t'es prise pour qui là? Tu crois que tu parles à qui? C'est la mère celle-là en fait. Toi depuis, je sais pas en fait, je sais pas ce qui se passe avec toi, mais tu me rends fou. Tu me rends fou, tu vois? Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Je t'ai rien fait. En plus tu continues à parler? Hein? Tu continues à parler? T'as cru c'était quoi? T'as cru c'était quoi? Que ce soit ta dernière fois, tu m'entends? Que ce soit ta dernière fois. C'est moi l'homme de la maison ici. C'était
espèce de sale fou, va, t'es complètement malade. T'as dit quoi? T'es complètement... Franchement, t'es un malade, t'es un psychopathe, t'es fou. Tu penses? Mais t'es fou! T'es fou! Mais... Un traître! T'as permis de te protéger. Au final, tu te retrouves toujours dans des situations comme ça. Au final, toujours moins le méchant. Hein. Qu'est-ce que tu veux? C'est la vie, ma chérie. Tu te retrouves pour faire passer pour une princesse. Avec moi, tu redescends vite. Hein. Fais pas ses têtes. Tu t'amuses bien avec moi, non? Je suis au travail. On verra ça plus tard, allez, tiens. Un gars bien, reste digne et intègre à toi-même. Par contre, plus jamais ça, plus jamais ça. Parce que la prochaine fois, c'est plus moi qui va parler, c'est les plans qui vont parler. Que Dieu me pardonne. Maintenant, tu sais pourquoi je suis là. Joey, calme-toi. Je peux tout t'expliquer. Je peux encore changer. Je sais pas ce que tu veux faire, mais... Non, écoute, calme-toi, reprends tes esprits. Toi ne change jamais. Non, non. Moi, je suis différent. Laisse-moi une chance, s'il te plaît, et je vais me rattraper. Surtout, ne fais pas ça. Je t'avais prévenu, non? Joey, calme-toi. Hein. C'est une arme, elle est pas factice. Je t'avais pas dit que t'allais manger des pissenlits par la racine. Joey, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Donne-moi une chance, s'il te plaît. Je peux me rattraper. Qu'il faut savoir, ce que moi, je n'ai jamais de... S'il te plaît. Non, attends. Oui, ça, c'est pour ma copine. L'assassinat de Cédric. Les faits se sont déroulés à son domicile à 11h du matin. Une enquête est en cours et selon les premières informations recueillies, un témoin aurait vu un homme de type afro quitter le lieu du crime. Selon nos dernières informations, un portrait du présumé assassin a été dressé ce jour par la police. La photo s'affiche sur la droite. Si vous voyez cet homme dans la rue, appelez directement. Ne l'appréhendez pas tout seul, car il est dangereux. We'll be right back.
Joey? Vous m'attendez? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Ferme-la! Bordel, putain! Ferme-la! Putain, pourquoi vous en prenez à moi? J'ai rien fait, bordel! J'ai rien fait, je vous ai dit! Putain! J'ai rien sur moi, j'ai rien! T'as rien fermé ou pas? Ouais, mais j'ai rien! Voilà, j'ai rien! Putain! J'ai rien, j'ai pas trop, j'ai rien! Mon nom est Ropan Vicky Radis Dimissimus. Monsieur Joey, vous avez le droit de garder les silences. Tout ce que vous allez dire pourrait se retourner contre vous. D'accord? De toute façon, la loi est déjà contre moi. Vous fermez votre gueule, monsieur Joey. Vos ADN ont été trouvés sous les lieux du crime. Quel crime? Vous avez commis un crime, monsieur Joey. Vous fermez votre gueule parce que vous avez tué quelqu'un, d'accord? D'accord, je vous amène au poste et vous gardez le silence ici, d'accord? Ok. Laissez le chef à bord, c'est moi. Aussi belle. Ça va et toi? Ah, tranquille, hein. Que veux-tu? Ouais, donc j'attends mon procès avec la boule au ventre, là, bon, que veux-tu? Tu devais laisser la justice faire son boulot, Joey. Du coup, ben voilà, j'espère que le ciel t'accompagnera, parce que je voudrais pas qu'il t'arrive quelque chose. Que tu sois pas bien, quoi. Non, mais. Je comprends, ma chérie, mais ce que j'ai fait, je regrette pas de l'avoir fait. Ouais, de toute façon, t'inquiète pas, là où il est, la boule que j'ai dans le ventre, c'est lui qui est en train de le chier. Sinon, je te vois belle comme un rayon de soleil, comment ça se fait, t'as trouvé quelqu'un? Bah non. Ah, ok. Tu attends quoi? Tu crois que je peux faire confiance à quelqu'un maintenant? Tu attends que je sorte de prison ou pas? Bah, il faut vivre avec les gens pour les connaître, en fait. Hein. Ah, c'est ça. Tu peux pas te fier à ce que tu vois comme ça, c'est sûr, tout est beau, tout est rose, mais une fois que tu vis avec la personne, c'est là que tu la connais vraiment. Bah, si tu veux, je peux te donner mon CV. Mais bon, la vie, elle continue, quoi. Ouais. Mais t'inquiète, je pense que ça va aller. Là, c'est un nouveau départ. Donc, moi, tout ce que je te demande, de ne pas t'inquiéter pour moi. Veuillez vous lever pour accueillir la présidence. La Cour de Paris préside l'honorable juge Riper, le vainqueur, déclare la séance est ouverte. La séance va commencer, messieurs, dames. Nous sommes ici pour assister au procès de monsieur Joey ainsi que la famille Cédric. Il est de bon ton de rappeler que sur demande de l'avocate de la défense, le procès se tiendra à huis clos. Membres de la Cour, veuillez vous présenter. Mon nom est Escobar Blanco Ramirez Santos, le procureur général. Je suis Laetitia Caster, je suis l'avocate de M. Joey, ici présent. Madame le juge, je suis maître Joseph Amanda, avocat de la partie civile, M. Cédric. Pour rappel, vous êtes dans l'enceinte d'une institution sacrée. Vous devez respecter l'opinion des autres pour faciliter la tâche et les bons déroulements du jugement. Tout le monde ne doit pas intervenir en même temps. Vous devez solliciter la parole et attendre. Je souhaite que tout est clair, je me suis bien fait comprendre. Vous jurez et promettez d'analyser les charges qui seront retenues contre M. Joey. De ne communiquer avec personne qu'après votre déclaration. De ne trahir ni les intérêts du prévenu, ni ceux de la victime, ni ceux des personnes qui l'accusent. De vous rappeler que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter. De vous décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme propre et libre, et de conserver le secret de la délibération jusqu'à la cessation de vous. Alors, Madame la greffière, lisez-nous les charges retenues contre M. Joey. Monsieur Joey, veuillez vous lever pour écouter les accusations portées contre vous. Vous êtes cité à comparer devant ce tribunal car vous êtes soupçonné d'avoir exécuté le 15 janvier 2020 M. Cédric de Debal.
Voilà pourquoi vous êtes ici. La parole est au procureur général. En date du 15 janvier 2020, 11h15 minutes 17 secondes, plus précisément, Monsieur Cédric s'est fait abattre lâchement par un individu non identifié. Un témoin oculaire ayant assisté à la scène a pu faire et établir un portrait robot aux autorités concernées. Le jour même, madame le juge, monsieur le juge, la police scientifique a été sur les lieux, a pu établir et examiner la scène du crime. Malheureusement, les ADN de monsieur Joé ont été retrouvés sur la scène du crime. Monsieur Joé, selon vos antécédents, il semblerait que vos actes ont été prémédités et réfléchis. Si vous êtes ici, ce n'est pas pour vous faire connaissance à la cour ou avoir votre cadeau Noël, c'est pour répondre plutôt à vos actes. Et quel que soit, et supposons que les circonstances aient été atténuantes, moi, le procureur général, je vous le promets, personne n'est au-dessus de la loi. Monsieur Joé, j'attends de vous la plus profonde sincérité et le respect pour la famille du défunt, en pensant à vous déclarer coupable des faits qui vous ont été reprochés. En vertu de toutes les informations moi que j'ai, je demande à la cour une peine de prison de 50 ans ferme et de 100 000 euros de dédommagement pour la famille de la victime. Seulement deux questions, monsieur Joé. En date du 15 janvier 2020, 11h15 minutes 17 secondes, où étiez-vous exactement? Est-ce que quelqu'un peut nous confirmer, peut confirmer à la cour où vous étiez à cette heure-là, en cette date-là? Mesdames, messieurs, je vous demande de vous taire. À présent, mesdames, messieurs, la parole est à la défense. Madame et monsieur les juges, je comprends le dévouement et le désir de monsieur le procureur de vouloir bien faire. Trouver un sujet sur lequel tracer un exemple dans le cadre de ses ambitions politiques serait une bonne opportunité. Écoutez, madame, vous voulez faire allusion à la politique? Mais moi, en tant que procureur général, ça fait des années je gère ma ville et je sais bien comment gérer ma ville. Et la population n'a rien à me reprocher. Il intimide mon client en l'incitant à inventer et à dire des choses qui n'existent pas. Il est important de rappeler que mon client, M. Joé, l'accusé ici présent, est une bonne personne. C'est un mari aimant. C'est un père exemplaire. C'est un frère attachant. C'est aussi un employé modèle. Si vous investiguez dans son passé, à 45 ans, il n'a aucun casier judiciaire. Vous connaissez bien cet homme? Oui, je le connais. Exactement. En date du 15 janvier, 11h15 minutes 17 secondes, où étiez-vous exactement? J'étais chez lui. Vous étiez chez lui? Qu'est-ce que vous faisiez chez lui? En fait, j'étais parti lui parler pour lui dire d'arrêter de traverser ma copine. La parole est à la défense. Merci, votre honneur. Quelle est cette femme? C'est la femme de Cédric. Plusieurs fois, depuis des années, depuis leur rencontre, Cédric a été violent. Elle a le visage tuméfié. Elle a été brutalisée. Madame et monsieur les juges, les photos parlent d'elles-mêmes. Parce que cette femme aurait pu mourir sous les coups. Regardez-la bien. Elle a demandé de l'aide. Personne ne l'a aidée. Lui, il a été impuissant face à cette situation. Mais à un moment, ça a dérapé. Compte tenu de tout ce qui est évoqué,
il apparaît clairement que M. Joey ne peut pas être condamné. Je réclame donc le rejet de l'ensemble des éléments à l'encontre de mon client ici présent. Si sa femme était présente et si elle pouvait en témoigner, si elle n'avait pas peur de représailles, on aurait compris le bourreau, l'homme violent qu'il était. Ironie du sort, l'humanité de mon client a fini par prendre le dessus. Il a fallu que mon client commette l'irréparable pour qu'une femme s'échappe des griffes d'un monstre, d'un calculateur, d'un manipulateur narcissique. Nous sommes au 21e siècle, trop de femmes sont encore violentées. Trop de femmes meurent sous les coups. Sans vouloir minimiser la mort de Cédric, aujourd'hui c'est son procès qui aurait dû se tenir. Ici dans ce tribunal. N'oublions pas que M. Cédric était un homme violent. Un homme qui n'avait pas peur d'infliger des sévices physiques et des humiliations en public comme en privé à sa femme. J'attire donc votre attention sur le fait que toutes les parties de l'affaire sont des victimes, y compris mon client Joey ici présent. Je réclame donc la libération pure et simple de mon client. Madame et monsieur les juges, nous avons un témoin clé dans l'affaire. C'est monsieur Ricky. Un témoin qui a assisté à toute la scène et qui a même pris des photos, des vidéos. Il a constaté, c'est lui qui a dressé le portrait robot aux autorités concernées. Levez votre main droite. Jurez-vous de dire la vérité, rien que la vérité? Je le jure. Veuillez déclarer votre nom et adresse à la cour, s'il vous plaît. Je me nomme Ricky Lacasse. Je réside au 32 chemin de la Libération à Colombes. Parfait. Vous vous rappelez que tout faux témoignage est puni de 5 ans d'emprisonnement et d'une très lourde somme d'amende. Devant la cour, je le jure solennellement, j'ai bien vu M. Joey tirer à 2 reprises sur un individu. J'ai même donné son portrait robot à la police. Et comme vous pouvez le voir, il correspond parfaitement à M. Joey. Il y a 2 questions que l'accusé n'arrive pas à répondre. Même une personne de mauvaise foi aurait essayé. En date du 15 janvier 2020, à 11h15, minute 17 secondes, où étiez-vous, M. Joe? Monsieur l'avocat, comme j'ai dit à M. le juge, j'étais chez Cédric. Vos regards et vos réactions expliquent tout, que le témoin vient de confirmer devant la cour que vous êtes bien l'exécuteur de M. Cédric. Que son âme repose en paix. Madame le juge, je ne peux rien à dire. Monsieur, au regard des faits et des accusations portées contre vous, que plaidez-vous? C'est vrai que j'ai tué Cédric, mais monsieur le juge, madame, monsieur, et vous la greffière, parce que qui d'entre vous aurait eu une mère ou une sœur en train de se faire frapper par quelqu'un de violent et n'aurait pas fait le geste que j'ai fait? Je sais qu'au fond de moi que j'ai sauvé une vie. Je ne suis pas coupable d'avoir exécuté quelqu'un de sang-froid. Donc, je plaide non coupable. Mesdames, messieurs, la séance est levée. Après le recueillement des informations auprès des jurés et des preuves tangibles retenues contre M. Joey, il est accusé de meurtre. De ce fait, il est condamné à 1 an de prison avec sursis. Quant à M. Cédric, même étant mort, il est condamné à 5 ans de prison ferme à titre posthume. Ce qui signifie les membres de sa famille ne pourront s'approcher de sa tombe jusqu'après 5 ans. Retenez bien ces noms. Sylvie Desdangers. Vous avez pris 1 an de prison avec sursis. Si je vous surprends de marcher au même endroit que moi, je vous jetterai en prison et vous les regretterez. J'étais sûre d'être celle qui pouvait te réparer. Je te comprendrai jamais.
Je m'en fichais de vivre Roméo et Juliette. Je voulais juste un homme qui m'aime et qui sache me le démontrer. Je recherchais la confiance, le respect, l'amour, la bienveillance. Au fil du temps, tu m'as dévoilé ton vrai visage, ta double facette. Les paroles étaient belles, mais les actes restent les mêmes. Si j'ai pu m'échapper, toi aussi tu peux y arriver. Ayez la détermination comme boussole, la force comme bouclier et la dignité comme épée. Comme moi, tu donneras une seconde chance à ta vie. La bataille peut être longue, mais nul ne peut voir l'aube sans passer par le chemin de la nuit. Fuyez dès le premier coup.